أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم. يقول سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. Notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui ne sait pas dire merci aux gens ne pourra pas dire merci à Allah. فأتقدم بالشكر لأهل هذا المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا دائمة وأن يجعل لقاءنا بالله ولله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نلتقي على الدنيا فنتخاصم عليها، ولا نلتقي على أضغان فنتباغض عليها، وإنما نلتقي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، وطوبى لمن فاز بهذه الأربعة. Donc je remercie les gens de cette mosquée, de quel que soit leur niveau de responsabilité. D'abord pour l'accueil qu'ils me réservent à chaque fois et pour l'occasion qu'ils me donnent de rencontrer mes frères. J'espère juste que cette rencontre qui ne s'est pas faite sur la base d'un intérêt financier ou d'un intérêt filial, mais seulement par amour pour la parole d'Allah et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole qui nous réunit aujourd'hui, et c'est s'il n'y a qu'elle qui nous a réunis, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis quatre choses. Chaque fois qu'un groupe de personnes se réunissent dans une mosquée de Dieu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur eux as-sakina, la paix intérieure. Il les fait couvrir par sa miséricorde de toutes parts. Les anges viennent les accompagner. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux dans son assistance sublime. Alors quatre récompenses, je crois que n'importe quelle personne avisée est à même de s'asseoir et de dire: je ne veux pas rater cette occasion. Peu importe la qualité de ce qui est dit, mais sachez que si vous ne retenez que quelques versets et que quelques paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sera déjà un très grand bénéfice. فَمَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا كَانَ مِنْ خَطَئٍ فَمِنْ نَفْسِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ. صلى الله سبحانه وتعالى أن يصفنا وإياكم بالإخلاص. الإخوة اقترحوا أن نتكلم عن كيف نستغل شهر رمضان. فالعبد الضعيف يقر بأن هذا الموضوع لا يستطيع أن يحيط به أصلا، ولكن بعض القراءات وبعض التجارب وبعض الاستقراءات ربما تعطينا بعض الفوائد. Les frères ont proposé que l'on parle de la fameuse question: comment profiter du mois de Ramadan. Il n'y a pas de science infuse dans cette question-là, mais il y a juste quelques extractions, quelques conclusions et quelques expériences glanées par-ci, par-là, que j'essaierai, inchallah, de soumettre à votre approbation et à votre appréciation. كيف يستغل رمضان من لا يفهم معنى رمضان؟
كل سؤال يعطي سؤال. قبلنا نجاوبوا كيفاش نستغلوا رمضان، خصنا نعرفوا اشنا هو رمضان اصلا، وما هي الغايه من رمضان. Pour pouvoir répondre à la question comment bien exploiter le jeûne de Ramadan, il faut être capable de répondre à la question qu'est-ce que Ramadan à l'origine et quel résultat doit-on escompter à travers cette pratique, cette noble pratique du jeûne. كلام ربما سمعته وأعيد 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 ولكن وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ها هو رمضان، هذا هو عبادة فرضها الله سبحانه وتعالى على من كان قبلنا من الأمم وفرضها على هذه الأمة التي هي خاتمة الأمم. والعلماء تكلموا في هذه الإشارة الربانية أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأن هذه العبادة قد سبقتنا إليها الأمم السابقة، ثم يعطينا الغاية من الصيام ألا وهي التقوى، ألا وهي التقوى. في رمضان نتعلم كيف نخشى الله سبحانه وتعالى، نتعلم كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. وأذكر أنه من سنتين أو ثلاث كنا اجتمعنا في هذا المجلس وكان المحاضرة ماذا نتعلم في رمضان، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فكان مدار التعلم هو على التقوى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يقوي هذه الأنفس ويطهر هذه المساجد ويصفد مردة الشياطين ويفتح أبواب الجنة فلا تغلق فلا يغلق منها باب وتغلق أبواب النار ولا يفتح منها باب حتى آخر رمضان. كل هذا لكي تكتشف أنت أيها العبد الضعيف ما معنى التقوى، ما معنى المتقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا قرينا سورة البقرة تشوف واحد العدد عظيم، واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعيب على بني آدم أنهم لا يعرفون حق الله سبحانه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لأننا لا نعرف قدر الله سبحانه. نعرف اسمه، نعرف بعض صفاته، نعرف بعض أسمائه، ولكن حقيقة الله سبحانه وتعالى لا نعرفها. حتى أن في الحديث أن لله سبحانه وتعالى ملائكة منذ خلقهم وهم ساجدون، عبادتهم السجود، فيأذن لهم الله سبحانه وتعالى بأن يرفع من سجوده، فلما يرفعون ويرون الله سبحانه وتعالى يسجدون من جديد. والغاية من السجود الثاني أنهم علموا أن السجود الأول غير كافي لقدر الله سبحانه وتعالى فزادوه. هذا لنعلم أن تحصيل معنى التقوى لا بد له من شهر التربية، شهر الله سبحانه وتعالى فيه هو المربي والتلميذ هو العبد المؤمن والأمة المؤمنة. الله سبحانه وتعالى c'est certainement un verset que vous avez entendu maintes et maintes fois.
Il nous dit, exalté soit-il, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il l'a été prescrit aux nations d'avant vous. Ainsi, vous allez faire preuve de piété. Vous allez être des pieux. Quelques jours, un certain nombre de jours, ayyaman ma'douda, des jours comptés. Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord, il nous informe que cette pratique, il l'a déjà utilisée pour éduquer les nations avant nous. C'est un moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise à une certaine finalité. Et cette finalité, il la présente la'allakum tattaqun. Ainsi, si vous la faites et vous la pratiquez correctement, comme ce que nous allons, inshallah, essayer de comprendre là aujourd'hui, vous allez réaliser le degré de la piété. Ce que l'on traduit actuellement en France par la crainte révérencieuse. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala avec révérence. Pas la crainte de la peur, cette peur qui vous paralyse, mais une crainte qui vous met devant la majesté et la grandeur réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelle est la majesté réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est sa grandeur? Qui pourrait prétendre englober par sa réflexion et sa compréhension la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Personne. Notre noble Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est certes le meilleur qualifié pour le faire. C'est pour ça qu'il était, il a dit à ses compagnons, wa inni a'lamukum billahi wa atqakum lak, ou comme a dit le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je suis celui parmi vous qui connaît le mieux Allah et celui qui le craint le mieux. Il y a un lien organique entre le fait de connaître et le fait de respecter, de vénérer, de donner sa vraie valeur. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Zumar reproche justement à l'humain, c'est qu'il ne donne pas à Allah subhanahu wa ta'ala sa vraie valeur. Il dit wa ma qadarullah haqqa qadri. Ils n'ont pas attribué à Allah subhanahu wa ta'ala la valeur qu'ils auraient dû lui attribuer. وَلَقُوا جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. S'ils savaient seulement que le jour du jugement dernier, il tient la terre dans sa main. وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ. Il plie les cieux de sa main droite. Bien sûr que le cours de l'Aqida ici, il y a plein de précisions à faire. Mais prenons les choses de manière littérale, juste parce que le sens que nous voulons, c'est de montrer ce Créateur, exalté soit-il, vous pouvez avoir toute l'imagination que vous voulez, vous pouvez avoir toute la profondeur de réflexion que vous voulez, vous ne pouvez pas englober Allah subhanahu wa ta'ala par cette réflexion. Alors, pour nous amener à ce niveau de respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'en faut pas moins d'un mois d'entraînement. Un mois du début jusqu'à la fin, dont la finalité est-ce que vraiment je crains Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vraiment j'ai dans mon cœur, parce que c'est là, comme disait le prophète alayhi salatu wa salam, at-taqwa ha-huna, wa yushiru ila qalbihi wa sabrihi al-sharif. La piété est ici, la piété est là, la piété est là. Il désignait sa poitrine qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde salut et bénédiction. Idan, le taqwa hiya al-hasila allati naqhuduha min Ramadan. Idan, man arada an yastaghilla Ramadan فعليه أن يعمل على أن يكون من المتقين. كل ما يقربك لدرجة المتقين فعليك أن تعمل. وقدامكم المصحف. الله سبحانه وتعالى عطي واحد عدد ديال التعاريف للتقوى، عدد كبير من الأول ديال سورة البقرة إلى الآخر، دائما تلقى تعريف للتقوى. من هم المتقون؟
فلما تجمع هذه الصفات كلها وتريد أن تعمل لها برنامج كي تحصلها، فأنت ممن يعملون على استغلال العبادات كلها وخاصة عبادة هذا الشهر الكريم. Donc la finalité des finalités du mois de Ramadan, c'est la réalisation de la piété. Alors maintenant, reste à définir ce qu'est la piété. Une bonne lecture méditative du Coran devrait amener un énorme résultat dans le fait de cerner cette notion de taqwa. Dès le début, Allah subhanahu wa ta'ala dit celui-là est le livre d'Alika al-Kitabu la rayb. Il n'y a aucun doute à son sujet. Fihi hudan lil muttaqin. Il y a en lui une guidance pour ceux qui font preuve de piété, les pieux. Et puis après, deux points. Il dit Al-Ladina, il commence à définir. Voilà certaines de leurs qualités. Dans Surat Al-Imran, il dit accourez à une miséricorde de votre Seigneur et un paradis préparé pour les pieux. Deux points. Et il définit encore des qualités de ceux qui le craignent. Et vous pouvez parcourir tout le Coran. Prenez un crayon et un petit calepin. Dit chaque fois vous ajoutez un élément de taqwa, chaque fois que vous ajoutez un élément de taqwa, et vous allez avoir le, comment on appelle ça, le portrait type de quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, de quelqu'un qui a la piété dans son cœur. Taqwa, l'aura, hiya, yani l'ihtiyat, ou l'insan, maintenant. ملي كيخرج الانسان للخارج كيعمل كاسكيطا ولا يعمل حاجه ملي تكون الشمس كتضرب قويه الانسان كيغطي روحه علاش خايف من ضربه الشمس ياكل هذا تقوى تقوى من يعني كتعمل تقيه بينك وبين الشمس لما كنخرجوا كنحيدوا هاد النظارات كنعملوا نظارات سوداء لاش خايفين على عيوننا من ضوء الشمس هذا تقوى لما الانسان كيخرج للخارج كاملين نوقفوا امام المسجد ونلبسوا يعني الاحذيه تاعنا لا خايفين من المسامر وخايفين من الزاز وخايفين من الحجر الذي يكون في هذا التقوى احتياط من الاذى اذا لما نطبقوا هذه على كلمه التقوى تقوى الله سبحانه وتعالى هي الاحتياط وال يعني الحذر من غضب الله سبحانه وتعالى من عذاب الله إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار إن فمن زحزح عن النار قل الله سبحانه وتعالى في نفس السورة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا لما الله سبحانه وتعالى كيسول الملائكة، الملائكة التي تترك مجالس الذكر ثم تذهب بخبر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وهو به عليم. تعرفوا هذا أن الملائكة لما تحضر المجلس من مجالس الذكر لما ينتهي يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى. فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو بهم أعلم ماذا تركتم عبادي يفعلون؟ قال أنا تركتهم يفعلون يفعلون كذا وكذا. ماذا شنو بغين؟ بغين الجنة. وهل رأوها؟ لا ما رأوها، ولو كانوا ولو رأوها لعملوا لها أكثر كما يقول الحديث. ومناش خايفين من النار. وهل رأوها؟ ما رأوها. ولكن ماذا يقع لو رأوها؟ لو رأوها لكانوا أشد لها خشية ويطلبون كل وسيلة للابتعاد عنها. هذا التقوى، هي هذا المعنى التبسيط، هو كما يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيشرح لنا التقوى. قلنا هل وقع لكم ان مشيتوا لواحد المكان فيه الشوك؟ سير للغابة باش في الشهر ديال سبتمبر وديال اكتوبر كنبغيو نجمعو هادوك لي ميور، ولي ميور كيكبرو في لي غوص،
ولي رونس شفتوا الشوك نتاعهم كثير شي لما يكون الارض راويه مليح هذاك الشوك الا خدا لك التوب ديالك يمزقوا وربما يجرح حتى الذات فماذا يفعل الانسان في هذه الحاله تلقى دائما يجمع جليله هكذا ولا يضع قدمه الا في المكان اللي ما فيه شوك هذه هي التقوى étymologiquement dans le sens premier du mot taqwa je vous dis on répond d'abord à la question le pourquoi du ramadan puis après vous allez voir après ça va se décliner assez facilement inchallah taqwa c'est l'autoprotection alors il y a la traduction par la piété mais la piété c'est un certain nombre de choses qui montrent que la personne est attachée à l'au-delà et non pas à ici-bas. C'est ça la piété. Hein. Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui va pas être gourmand, qui va essayer un petit peu de diminuer les choses, les mauvaises choses qu'il y a en lui. C'est ça le sens qu'on pourrait donner un petit peu à la piété. Dans le sens de en arabe, c'est un procédé opérationnel. Exemple, lorsque vous mettez une casquette, votre tête d'une insolation. Ça, c'est taqwa. Mais taqwa contre l'agression du soleil. Au moment que lorsque vous mettez des lunettes noires, vous protégez vos yeux du soleil. Vos enfants, quand vous voulez les exposer au soleil, vous leur mettez l'ombre, un écran total. Vous protégez leur peau contre l'agression du soleil. Ça, c'est taqwa. Lorsque vous sortirez tout à l'heure, vous mettrez vos chaussures. Parce que, par expérience, lorsque vous marchez pieds nus dans la rue, vous pouvez rencontrer un clou, un morceau de verre, un caillou, et ça abîme vos pieds. Donc, vous protégez votre pied contre l'agression du sol sur lequel que vous allez fouler. C'est ça, taqwa. Et d'un certain nombre de dispositions pour se protéger, ça devient une posture, ça devient une attitude. De quoi le croyant se protège? Il se protège de tout ce qui pourrait provoquer la colère d'Allah. Le croyant se protège de tout ce qui pourrait provoquer la colère d'Allah. Abdullah ibn Mas'ud dit, est-ce que l'un de vous est déjà allé dans un endroit où il y a des plantes épineuses, avec des épines? Les gens ont répondu oui. Il dit, quelle est votre attitude dans ce cas-là? Il a dit, l'intelligence voudrait que je soulève mes vêtements, il faut que j'ai des bottes, d'accord? Et puis après, même, je fais attention, je pose mon pied là où il n'y a pas de risque. Mais avant de poser mon pied, je regarde et je mesure mes pas et je regarde au loin parce que si le chemin, je vois les ronces au loin, j'essaie de... C'est ça, quoi. Le cheminement sur le chemin d'Allah, lorsque vous avez la volonté de ne pas vous laisser nuire, de ne pas laisser blesser par les vicissitudes de la vie de tous les jours qui pourraient provoquer des péchés, eh bien vous êtes dans une attitude de temps. L'imam Ibn al-Qayyim, dans son merveilleux livre, Al-Fawa'id, il donne certains degrés de taqwa. Il dit assez simplement, l'endroit où est logé le taqwa, c'est le cœur. On a dit, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a désigné l'endroit où il y a le taqwa, c'est le cœur. Eh bien, ce cœur-là, il a trois degrés de vie, de vie complète, de vie aboutie. L'imam Ibn Qayyim dit que le cœur, qui est le mahal, le taqwa, a trois maratib. La maratib est la première, c'est le cœur. Il faut que le cœur soit le cœur. La maratib est la deuxième, il faut que le cœur soit le cœur. C'est vrai. المرتبة الثالثة يجب أن يكون القلب سعيدا. الحياة العضوية يعني الحياة الصحة اللي هي قرين القوة والثالثة السعادة.
والتقوى هي ضمان هذه الدرجات الثلاث لهذا القلب. فيشرح تجنب يعني العبادات كلها، القيام بالعبادات كلها، وتجنب المحرمات كما يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذا يضمن صحة القلب، يضمن حياة القلب فقط، الحياة. ولكن الحياة راه المريض الآن اللي في المستشفى كذلك حي، ولكن قلبه مريض. المجنون حي ولكن قلبه مريض، عقله مريض. يعني إذا الحياة وحدها لا تكفي، الحياة وحدها لا تكفي، فلا بد من الصحة، بدها تكون حية وتكون صحيحة. فيشرح لنا، يقول لنا بأن التقوى هي أن الإنسان يتجنب بعد المحرمات المكروهات، يعني الأمور التي ليست حراما ولكن تؤذي الإنسان، ما هيش حرام ولكن تؤذي الإنسان. مثلا الناس اللي يستعملوا الدخان، صلى الله سبحانه وتعالى لهم العافية. الإنسان اللي مبلي بكثرة الأكل، الإنسان اللي مبلي بكثرة النوم، الإنسان اللي مبلي بكثرة شهوات النساء ولو في الحلال، ولكن مع الإسراف. ثم لن يكون الإنسان قلبه سعيدا إلا ما الإنسان يتجاوز هذه المرحلة، حتى أنه الفضل هذاك الزيادة حتى هي يبتعد عنها، فيبقى قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون القلب سعيدا إلا بذلك، إلا إذا كان معلقا بالله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإمام ابن القيم ندي le degré de piété, ce sont tout ce que vous faites pour assurer à votre cœur trois niveaux. Le premier niveau, c'est que votre cœur reste vivant. Et pour qu'il reste vivant, il faut l'empêcher de s'habituer au haram, à tout ce qu'Allah interdit. Ça, c'est donc la barrière. Il faut créer une barrière entre le cœur et le haram. Et même lorsqu'il le commet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: innama tawbatu على الله للذين يعملون السيئات السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله توابا رحيما. الله سبحانه وتعالى sait que notre rapport aux interdits depuis Adam عليه السلام le rapport à l'interdit est quelque chose de très difficile. Eh bien, ce rapport-là ne doit pas être un rapport de complaisance. Comme certaines personnes, oui, mais c'est pas grave, Allah Ghafur Rahim. Il faut que jeunesse se fasse. On dit par exemple, on dit à quelqu'un: regarde, ton fils ou ta fille, ils ont déjà un petit ami, ils vivent déjà dans le haram. Et puis il te dit: oui, mais c'est leur époque, il faut bien qu'il se fasse. Cette personne-là devrait s'inquiéter parce que son cœur est complaisant avec le péché. Même son cœur ne le condamne plus. Il faut créer une barrière. Personne n'est à l'abri. Mais tu gardes à ton cœur là une certaine une répulsion vis-à-vis de l'haram. Et là, tu n'as pas fait grand-chose. Tu n'as garanti à ton cœur que le niveau de vie. Maintenant, il faut qu'il ait une bonne santé. Il faut que ce cœur-là soit en bonne santé. Pour qu'il soit en bonne santé, il faut avoir une hygiène de vie. Une hygiène de vie, quelle que soit la civilisation, c'est une hygiène où il n'y a pas d'excès. C'est ça ce qu'on appelle une hygiène de vie. Je dors, mais pas trop. Je mange, mais pas trop. Je joue, mais pas trop. Tout est dans la mesure.
comme dit Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-qasdu fi al-ghina wa al-faqr. C'est toujours une certaine, un certain esprit économe où il n'y a pas d'excès. Là, le cœur, il va s'enhardir, il va devenir plus fort. Et puis après, le dernier degré de taqwa, c'est quand tu empêches le cœur de s'attacher aux choses matérielles. Comme dit le prophète, comme il dit ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ajaban li amri al-mu'min idha asabathu sarra'u shakara wa dhalika khayrun la wa idha asabathu ad-darra'u sabara wa dhalika khayrun la wa la yakunu dhalika li ghayri al-mu'min. Hada huwa al-qalb as-sa'id. Notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, elle est étonnante l'affaire du croyant. Lorsque le malheur le touche, il est patient et c'est bien pour lui. Lorsque le bonheur le touche, il est reconnaissant, il dit Alhamdulillah et c'est bien pour lui. Et ceci n'est vrai que pour le croyant. Et ça, vous pouvez le tester. Un vrai croyant, il est pratiquement égal à lui-même dans l'épreuve comme dans le bonheur. Pourquoi ? Parce que les deux, lui, le rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabr le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et as-shukr le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le degré du bonheur. Donc le degré de la vie, le degré de la santé et le degré du bonheur du cœur. Le premier, barrière contre les interdits. Le deuxième, barrière contre les excès. Troisième, détachement. Le bonheur te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et le malheur te rapproche d'Allah. Ça, c'est quoi ? Et Ramadan, maintenant on va entrer. Ramadan, la pratique du jeûne, elle a toutes ces qualités-là. Elle nous fait traverser ces trois niveaux. هذا الدرجات ثلاث كلها موجودة في رمضان. علماءنا يقولون صلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلمهم وينفعهم به في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أما الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلق له جسدا وخلق له عقلا وخلق له روحا. ثلاثة الإنسان هاي المكونات الثلاث. كثير من الناس يقولون يعني التعريف ديالهم جسد وروح. جسد وروح كينساو العقل الذي هو به كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. شوف الله سبحانه وتعالى سمع وبصر وفؤاد عقل ثلاثة أمور. أول شيء صيام رمضان يجب أن يحقق الراحة لهذه الأمور الثلاث. هذا الكلام أخذه من حبيبنا محمد الحسن الدزر رحمه الله. ثلاثة راحة يعني حاول في صيامك أن يكون جسدك مرتاح وعقلك مرتاح وروحك في راحة. Nos nobles prédécesseurs, nos savants qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, nous apprennent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'entité humaine avec trois composantes. Un corps, un intellect et une âme, un esprit. Un corps, un intellect, l'intelligence, la raison et l'esprit. Toute action du croyant qui ne prend pas ces trois dimensions, qui n'alimente pas ces trois-là, elle, à un certain moment, elle va être bancale et elle ne va pas donner les bons résultats. Donc le mois de Ramadan, il faut qu'il alimente, il faut qu'il soit une sorte de repos pour le corps, que ce soit une période de repos pour l'intellect et que ce soit une période de repos pour l'esprit.
Réalisons ça et vous verrez que la question là, comment exploiter le Ramadan, va devenir une question pratique. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon corps, pour qu'il se repose pendant le Ramadan? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon intellect, pour qu'il se repose au mois de Ramadan? Et qu'est-ce que j'ai fait pour mon esprit, pour qu'il se repose au mois de Ramadan? Al-jism, khalaqullah subhanahu wa ta'ala bi-tayyib. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لجسمك عليك حقا. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتقوى في ليل رمضان لصيام نهار رمضان. إذن هذا الجسم له حقوق. حقه الأول إخواني وأخواتي في الله هو المطعم. هنا الشباب خاصة لا عذر لهم في هذه الأيام، يعني لأن بإمكانهم أن الحصول على معلومات باش يعرفوا شنو هي المأكولات المغذية حقيقة، حتى الصوم بالمعنى العام الآن ولا من الوسائل الطبية التي تستعمل. فأناس درسوا كيف يتصرف كيف الجسم كيف يكون في حالة صومه، أشنو خصني ناكل، واش يعني الإنسان يطيح على الحلويات وعلى الدسم وعلى يقول لك هذا لن يكون الجسم في راحة في رمضان، فلا بد من أن تغذيه بما يغذيه حقيقة وأن تجنبه ما يؤذيه. بعض المرات نمشي عند بعض الإخوة كيحط لك يا أخي الوجبات الثلاث بل بعض المرات الوجبات الأربع في وقت الفطور. يبدأ لك بالقهوة بالحليب أو بالشاي ومعاه الحلويات تاعو هالفطور. من بعد إذا أعطاك الشاي غادي يعطيك القهوة من بعد. ها هو لا كولاسيون تاع العشرة ونصف. من بعد غادي يحط لك واحد لي شوربة ولا حسب هذا داك السوبي تاع الليل. من بعد غادي يجيب لك لي كويز دو بولي ويجيب لك حاجة مشوية بارك الله فيهم. ها هو عدد ديال الوجبات في وجبة واحدة. من فعل هذا يا إخواني فلم يفهم معنى أن يرتاح الجسم في رمضان. الغرض من الصوم هو أن المعدة تخوى، خصها تخوى. ملي كتكب فيها هذا الغضب كله غادي خصها 24 ساعة يلاه طحن. مازال ما طحناتوش حتى وصل عليها المغرب الآخر وغيدخل عليها الأكل. نتعجب لبعض الناس يا اخي كيغلاضوا في رمضان. الناس نورمالمون خصهم يضعفوا، يعني هذا خاصة في هذا ما عادش كانوا فطروا مع 10 وكان والسحور مع الامساك عندكم هنا على 4 شحال ديال الوقت هذه 6 ساعات يالله يهضم فيها الجسم وجبة واحدة. جربوها يا إخوان، جربوا أن الإنسان يأكل حاجة اللي كتشد له في المعدة ديالو مليح. هاد الشوربة وهاد الحريرة وهاد فيها ما يكفي، استعلاها واحد شوي وصافي راه كافي لكي يرتاح الجسم من هاد العملية بتاع الهضم الدائم التي يعيش فيها طوال السنة. يعني شفتوا كاع الناس اللي خدامين في البيرو، شفتوا جيراننا ملي كتوصل 12 يعني ثاني 10 شنو كيدير؟ إلا في يدو قلم كيحطو، إلا قدامو أورديناتور كيطفي، إلا عنده مطرقة كيحطها، وكل الجسم كيولي يدور على وجبة الغداء. سمعتهم كيقول لك أنا جو سوبار فوطا، والو ما يقدرش. علاش؟ لان هذاك الدوام هذاك الروتينيه ديالو ما عطاش لنفسه الراحه، وحنا هذه راه عندنا راحه اجباريه.
هذه راحة إجبارية. Il faut que le ramadan soit une période de repos pour le corps, l'une des trois composantes de notre être, comme étant un humain. Et c'est un repos obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige à prendre cette trêve. C'est une sorte de trêve. Alors quand nous contournons la difficulté, chez certaines personnes, de 10 heures, jusqu'à 4 heures du matin, c'est-à-dire 6 heures. C'est-à-dire le temps pour un corps d'absorber un repas. Juste un repas. Certaines personnes en consomment 3 ou 4 en un seul moment. Eh bien, il y en a d'autres qui vont répartir. Alors, il y a une partie avant Tarawih, et après partie après Tarawih, et puis après, il y a une petite pause, puis après, l'un dans l'autre. Ça, c'est déjà un peu mieux que de se taper tout avant Tarawih et puis de venir avec complètement comme un balourd derrière et carrément avec le souffle coupé, on ne peut même pas se plier. C'est une maltraitance du corps. Le corps ici, il n'est pas en situation de repos, il est en situation d'excès, de surmenage. Il est là, il risque de nous lâcher. Certaines personnes grossissent pendant le mois de Ramadan. Je parle pour les hommes. Pour les femmes, il y a certaines dispositions du corps féminin qui peuvent faire qu'il se peut qu'il y ait une prise de poids, même si elles jeûnent correctement. Parce que le corps féminin, quand il s'aperçoit qu'il y a moins de nourriture, il ne consomme plus les graisses. Il les stocke. Donc, que nos sœurs ne soient pas étonnées qu'au bout d'une semaine, eh bien, la balance commence à monter. Le corps, il se règle comme ça. Ce qui n'est pas le cas des hommes. Parce que nous, on n'a pas de cycle de reproduction qui régule notre corps. Si tu manges moins, mon frère, tu dois maigrir. Ça doit se voir que tu as jeûné. Donc, ce corps doit se reposer. Exploiter le mois de Ramadan, c'est laisser le ventre se vider. Il faut le laisser se vider. La khalouf ou fami sa'imi atyabu 'indallahi min rihi al-misk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'odeur de la bouche du croyant est plus agréable pour Allah que l'odeur du musc. Mais de quelle odeur il s'agit? Wa sharaiha ta'asman. La. Raiha ta'a. الجوف الخاوي لهذا الائمه المالكيه قال لك البروساج تاع داك تاع 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 السنان كيحبسوه عند الظهر باش تبقى الرائحه تاع الخلوف باش ما هذا الخلوف هذا خاص البطن اخوة. اما الا حطيتي فيه 15 كيلو سي لو فونتر كونت يا 15 كيلو دو نوريتور اي سرا جامي فيد. Le prophète sallam dit l'odeur du ventre, ce n'est pas l'odeur des dents. L'odeur des dents, elle est désagréable pour nous et pour Allah. N'allez pas dire, oui, mais je pue la bouche, ce n'est pas grave, c'est un mondain. Non, non, tu te brosses les dents, mon frère. Surtout quand tu pries à côté de nous et que tu dis Allahu Akbar et que notre tête elle tourne parce que tu n'es pas brossé les dents. Là, c'est l'adab. Là, ce n'est pas bon. Cette odeur, c'est l'odeur du ventre qui est vide, mais ta bouche elle doit être nickel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se brossait les dents quand il se levait le matin. Il se brossait les dents pour manger, il se brossait les dents pour chaque prière, il se brossait les dents pour sortir de chez lui, il se brossait les dents quand il rentrait de chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, je me brosse tellement les dents que je crains de les limer. C'est le dernier geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir. Le brossage de dents, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe. C'est parce qu'il ne voulait pas que ce soit difficile pour nous qu'il ne nous a pas dit associez-le aux ablutions. Donc ce n'est pas le brossage de dents dont nous parlons. Nous parlons du ventre. Ce ventre-là, s'il ne se vide pas, il ne va pas être le ventre de quelqu'un qui jeûne. D'autant plus que on apprend ce que c'est que la faim. Si on ne connaît pas la faim, il n'y a pas d'apprentissage. Pas d'accord.
Donc, ça doit être une période de repos pour le corps. Et ce que je dis pour l'excès, je le dis aussi pour ceux qui croient que pratiquement ne plus rien manger, ça c'est le meilleur jeûne. Ben non. Il y a je connais des personnes, dès le fto, ils ne mangent plus rien. Mais à l'époque, moi, quand je connaissais ces personnes-là, ils ne se levaient pas pour la prière de le fajr, ils ne faisaient pas taraweh, tu sais, c'est ce genre de personnes qui ne faisaient que le mois de Ramadan, il n'y a pas d'autre. Mais il y a des personnes qui, même en faisant leur prière, ils disent, oui, mais jeûner, c'est jeûner. Non, si Allah voulait qu'on fasse le wissal, c'est-à-dire le 24 sur 24, chose qu'il a autorisée au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais il nous l'a interdit. Donc, trois choses. Pas de trop de... Il faut que le repas soit diététique et équilibré. Ça, et là maintenant, on a les moyens de le faire. Il faut que ce soit un nourrissant, en bonne quantité suffisante pour que je puisse tenir une partie de la journée. De toute façon, j'aurai faim à un certain moment et ça fait partie du processus éducatif. Donc, diététiquement équilibré. Et dernièrement, j'ai entendu une conférence d'une sœur, Inch'Allah, qui a travaillé sur ces questions-là. C'est faisable. Même avec une consultation chez un diététicien, faites-moi un bon ftor type. Il serait capable de le faire. Un peu de sablène, un peu de chipakiyaz, la vie et tout ça, pour le goût et pour la... Là, on n'a pas dit, mais que ce ne soit pas le repas essentiel, que ce soit que des sucreries. D'autant plus que ça alimente le corps, le sucre et le gras alimentent le corps de manière biaisée. Il ne les assimile pas correctement. Pas d'excès, ni dans la grande quantité, ni dans la petite quantité. Ainsi, le corps, il se repose. Intellectuellement, il faut que Ramadan soit une période de repos aussi. Et je dis justement, il y en a qui n'ont pas le choix, ils ont les examens qui tombent pendant le mois de Ramadan, mais je parle de ceux qui n'ont pas d'obligation qui fait que intellectuellement ils ne peuvent, ils peuvent choisir à quel moment ils se sollicitent intellectuellement. L'imam Malik, qui était un professeur au sens universitaire du terme, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, il était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cours après cours, et les gens venaient donc d'Andalousie, venaient d'Égypte, venaient d'Irak pour apprendre auprès de lui al-Muwatta. Donc il était dans cette période de sollicitation intellectuelle permanente. Le hadith, le Coran, enfin tout arrive. Quand arrive, il n'était pas le seul dans ce cas-là, quand arrive l'imam Malik, le Kankiji Ramadan, qui relate le Kurrasat, tout le Kurrasat, qui relatera illa al-Mus'haf. Alors il ferme tous les livres qu'il faisait étudier, qu'il écrivait ou qu'il faisait étudier à ses élèves et il ouvre le Coran. Et testez ça. La meilleure stimulation intellectuelle que j'ai pu connaître, c'est une lecture de Coran avec beaucoup de méditation, et je m'arrête. Beaucoup de frères maintenant suggèrent que dès le début de Ramadan, de choisir un tafsir, le tafsir de Sa'di par exemple, Rahman Sa'di, ou le Mukhtasar de Ibn Kathir, ou Al-Wajiz de Ibn Arafa, il est trop long, ou des passages de Fidal al-Qur'an, de s'arrêter et de méditer le Coran. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah qui parle à votre intellect. Et c'est extrêmement stimulant. Que pendant le mois de Ramadan, je ne parle pas de ceux qui ont le fait de travailler intellectuellement, c'est leur boulot. Ils sont obligés de lire d'autres bouquins et de préparer des examens. Mais si on doit avoir une activité intellectuelle, qu'elle soit centrée sur la parole d'Allah. Là, on fait ce qu'on appelle, comme on fait lorsqu'on veut relancer une chaudière.
Quand vous avez le chauffage, vous voulez la relancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, spécialiste. Il faut faire une purge. Une purge. Ah oui. Sinon, ça va. Il va y avoir une bulle d'air. Comme vous faites pour la voiture, c'est la même chose. Quand il y a une bulle d'air dans le circuit, vous avez votre voiture qui fait. Après, elle manque de ressources. C'est exactement la même chose. La purge, c'est la purge intellectuelle. Pour nous, c'est le Coran. Le Coran, rien que le Coran. Et le hadith du prophète Sassoum qui nous aide à comprendre le Coran. Et là, vraiment, le siyam, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi le Coran. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a associé ces deux. Donc, il faut que le Coran soit notre occupation intellectuelle. Si vous avez des lectures, des romans que vous lisez, vous avez, dès le premier Shawwal, reprenez votre activité, mais retrouvez le chemin de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce serait vraiment quelque chose de très bien. Évitez d'avoir de gros problèmes à résoudre pendant le mois de Ramadan. Par exemple, vous voulez lancer un nouveau commerce, vous voulez comme ça, ce n'est pas le mois de Ramadan, n'est pas fait pour ça. Pourquoi? Parce que votre esprit sera, votre intellect, il sera en train de tourner, et il va y avoir une sorte de, comment dirais-je, sorte de parasite, de façon à ce que on ne sait pas pourquoi on est fatigué. Est-ce que c'est parce que, intellectuellement parlant, est-ce que parce qu'on est préoccupé par nos problèmes, ou parce que c'est le jeûne? C'est extrêmement... Normalement, ce que je suis en train de dire, on aurait dû vous le dire avant un mois ou deux mois avant Ramadan, comme ça, si il y a beaucoup de gens qui étaient dit, maintenant on a beaucoup de temps, on fait les travaux, on va refaire le papier peint à la maison. C'est pas le moment. Le corps doit, on a dit, le corps doit se reposer. Tiens, j'ai oublié une chose, la question pour le corps. Mais parce qu'elle est associée à l'intellect, je vais en parler maintenant, Inch'Allah. Donc, ne pas provoquer de gros soucis, de gros problèmes à résoudre au mois de Ramadan, de façon à ce que l'esprit puisse aller vers l'adoration, seulement vers l'adoration. Dites-vous bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et là on va faire un qiyas, même si le qiyas dans l'ibadat, il pose quelques petits problèmes chez les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'insan la yuktabu lahu min salatihi illa ma aqila minha. Que chacun de nous ne te sera compté de ta prière que les parties dont tu as été conscient. Intellectuellement présent. On ne parle pas de khushu'. Le khushu'a qui est la méditation, tu es porté. Là, on parle juste, l'esprit, il est présent. Dit certaines personnes, on n'auront que la moitié, d'autres le tiers, voire le quart, voire le cinquième, voire le sixième. Et il s'est arrêté au dixième. Il aurait pu continuer le centième, le un millionième, et ce serait tout à fait possible. Vu comment parfois on dit Allahu Akbar, et on se rend compte qu'on vient de dire Salam alaikum. L'esprit, il est... Je vous le dis, mais j'ai gardé ça comme un élément d'explication chaque fois que j'en ai besoin. Mais dans une année, j'avais commencé à apprendre à jouer aux échecs. Et je jouais tellement, vraiment, de manière presque continue. Quand j'étais assis avec les gens me parlaient, et puis... ils étaient sur une balle, et puis je prends celui-là, le cheval, je mange celui-là, et là je mets la tour. L'esprit continuait à tourner dans le vide. Pourquoi? Parce que je lui ai donné une grosse dose de concentration sur un seul point, et il est resté concentré. Ce qui fait qu'il avait beaucoup de mal à se détacher pour le reste. Donc, lorsque le prophète Salasim nous dit que votre prière ne vous sera comptée, la partie qui vous sera comptée, c'est la partie dont vous souvenez et vous saviez que vous étiez en train de la faire, eh bien, par analogie, le Ramadan aussi. Si
votre intellectuellement, vous n'avez pas senti qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, que votre esprit il est libre pour méditer la parole d'Allah, pour réfléchir, pour faire une meilleure prière, une meilleure concentration de la prière, eh bien il ne vous sera compté de votre jeûne que la partie que vous avez sentie comme étant un du jeûne. Ah, et c'est pour ça que le fait de ne pas dormir toute la nuit, après Tarawih, on se rencontre chez un ami ou on se retrouve, et puis après il y a des gens maintenant, vous avez vu toutes les chaînes qu'il y a, ceux qui ont le malheur d'avoir une chaîne, une parabole, je dis maintenant le malheur parce que ça en devient un. Et puis après, il y a des séries sur la vie du prophète, il y a des séries sur Khalid ibn al-Walid, je ne sais pas ce qu'ils ont programmé cette année, parce que j'ai coupé avec ça depuis un moment. Et vous pouvez passer de la chaîne de Qatar à la chaîne de Jazeera, c'est pour le... Et vous pouvez passer toute votre nuit jusqu'au Sahur. Et puis après Sahur, qu'est-ce qu'on fait? On la prière et qu'est-ce qu'on fait là? Et on se lève à quelle heure? Dormir et encore. Je parle pour les gens qui ne travaillent pas ou pendant le week-end. Intellectuellement, la personne elle est absente là pendant la période où elle jeûne. Ou alors les gens qui font le contraire dès qu'ils rentrent et puis là jusqu'à le Maghrib. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris ne serait-ce qu'un break de sommeil dans la nuit. Ou alors, le corps ici et l'intellect n'ont pas été bien servis. Vous savez qu'on a besoin d'une certaine dose de sommeil. Je ne vais pas jusqu'à 12 heures, comme ils nous disent, il faut 12 heures de sommeil. Si vous faites 12 heures de sommeil toute l'année, vous ne prierez jamais l'Isha et jamais le Fajr. Mais de répartir. Tarawih, vous la finissez à quelle heure ici? À peu près 1h du matin? Hein? Minuit et demi. Ah, vous avez un imam qui vous apprécie. Hein, c'est... Donc, minuit et demi, on rentre immédiatement. Vous avez encore le temps de dormir 2 heures. 2 heures, c'est un cycle de sommeil. Le problème du sommeil, ce n'est pas de dormir beaucoup ou de dormir peu. C'est le moment où on se lève. Si on se lève à la fin d'un cycle, on se lève frais comme un gardeau. Lorsqu'on se lève au milieu d'un cycle, on est barbouillé. Je donne un exemple. Un cycle de sommeil, c'est à peu près 2 heures. Selon les gens, ça peut être un peu plus, un peu moins. Si je dors 3h30, ça veut dire que j'ai fini un cycle et j'ai entamé le deuxième. Et le réveil, il sonne. Et là, je ne suis pas bien. C'est comme descendre d'un train alors qu'il est en marche. Il vaut mieux descendre du train au moment où il est à la gare, il est à quai. D'accord? Donc, bien se connaître. Et là aussi, le mois de Ramadan, il va te... Si, regarde, il y a une nuit, tu as dormi 2 heures, tu t'es levé, ou 2h30, tu t'es levé, bien. Ça veut dire que ton cycle, souviens-toi, ça c'est ton cycle. Même après Ramadan, si par exemple ton cycle est 2h30, eh bien tu programmes de dormir 5h ou 7h30. Mais pas 6h ou 6h30. Parce que tu vas te lever au milieu du cycle et tu vas être barbouillé. Tu vas être qui voulait que ça fait une naze. Et pas bien. Rien, t'as pas de boue. Quand vous vous levez au milieu du cycle, pour Sahur, c'est râpé. Hein. Là, le ventre, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que le cerveau n'est pas réveillé. C'est juste une question de température. Ce qui fait que quand vous vous couchez, le cerveau, il commence à se refroidir. Il perd à peu près 2 degrés. Puis après, il reste à cette température pendant tout le moment où vous dormez. À la fin du cycle, il commence à se réchauffer. Si vous vous réveillez là, il est à bonne température et ça, il est prêt à redémarrer. Si vous ne vous réveillez pas, il reprend, il se refroidit de nouveau. Si vous vous réveillez au moment où il est froid,
Parfois, vous réveillez quelqu'un, deux fois, trois fois, une fois, deux fois. La troisième, vous lui dites, ça fait la troisième fois que je te réveille. Il te dit, je ne t'ai pas entendu. Wallah, je ne t'ai pas entendu. Parce que le cerveau était dans la période où il était au frais. Il ne commande rien. La personne pourrait répondre, mais c'est un réflexe. Ce n'est pas quelque chose de rêve. Donc, il n'est pas bien rêvé. Donc, le repos du corps dans le sens de l'intellect, c'est la gestion du sommeil. Pas trop, mais pas peu non plus. Et lorsque vous déplacez le sommeil de la nuit et vous le mettez le jour, ça ne sert pratiquement pas à grand chose. À moins que ce soit le qayloula, que ce soit le moment quand le soleil est au zénith. Ce sont les deux sommeils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait. Le sommeil de la nuit et le sommeil de l'Qayloula. Chez la noblesse arabe à l'époque et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Kunna la nara nawma rajuli ba'da al-fajri fadiyya » L'insan ibn Ural Bzaki qui est le goût qui est le goût qui est le goût qui est le goût qui est الوقت اللي كيوقفوا الناس فيهم اللي كيقرا فيهم اللي كيتعلم فيهم اللي كيخدم هو حتى 9-10 هذا ليس من الامور عندهم هما ليس من العزائم يعني ضعيف دونك هو يديزي كو ا ان سارتين ايبوك او اون افي اون ايدي دو لا فيريليتي او سونس او بون سونس دو تيرم qu'ils ne considéraient pas comme une qualité le fait que l'on se couche après le fajr. Parce que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait comme étant le sommeil, c'est avant, entre l'Isha et le fajr, et l'Qayloula, c'est le moment de la sieste. Donc gérer de façon à ce que le corps soit bien reposé et que l'intellect aussi soit bien reposé. Le troisième élément, العنصر الثالث وهو الروح هذا الروح هذا التي هي في جسمنا ليست من عالمي ما هيش من هذا الدنيا ونفخت فيه من روح هذه من الغيبيات ونفخت فيه من الروح ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح في حديث عبد الله بن مسعود حديث الخلق إذن الروح هي من عالم الملائكة الروح من عالم الملائكة وهي في جسم الإنسان مسجونة الروح في الدنيا في سجن لأنها عالمها هو عالم الملائكة ماذا يقع لما تكون كتصلي لما يكون الإنسان في صلاة ماذا تفعل تقرأ القرآن ياك ماذا يقع لما تقرأ الله سبحانه وتعالى يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ما معنى مشهودا تحضره الملائكة تحضره إذا قرأ القرآن الملائكة تحضره إذا كان الذكر لهذا تبقى المجالس بحال هذه الإنسان الليلة كان مشغول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شغلنا جميعا كتلقى واحد راحة لو كان أي كلام آخر ربما من بعد ربع ساعة يقول لك صافي هذا طول علينا بركة الله يجعل البركة لأن الروح تطمئن لكل ما يأتي من عالم الملائكة لهذا يقول الله سبحانه وتعالى بذكر الله تطمئن القلوب والحديث اللي قلنا مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة إذن في رمضان يجب أن تكثر المواقف التي تحضر فيها الملائكة كي تستأنس بهم الروح تستأنس بهم الروح إذن الإكثار من الصلوات الإكثار من الأذكار الإكثار من قراءة القرآن كلها مواقف تأتي فيها الملائكة
فيكون فترتاح الروح لوجوده. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اش كيقول بلال؟ أرحنا بها يا بلال، لأن تحضر الملائكة وتطرد الشياطين. لما الإنسان يقرأ القرآن قال لك يأتي ملك فيضع فمه على فم القارئ ويشرب ذاك الكلام، يشرب. لهذا من إنسان يكون طيب رائحة الفم لما يكون يقرأ القرآن، إلا خلوف صائم، هذا عند الله يطيب عند الله ريح المسك. إذن الإكثار من كل المجالس التي فيها الملائكة، والتقليل من كل المجالس التي ليس فيها ملائكة. مثال أش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وإذا قال خاصمه أو قاتله لا، وإذا قال إني الحديث قال أني صالح، وإن خاصمه أحد أو سابه قال إني صائم. لأن شنو كيبقى في الخصام لما الناس كتخاصم؟ الشياطين تحضر، وإذا حضر الشياطين ماذا يقع؟ ذهب الملائكة. إذا ذهبت الملائكة الروح كتولي ضعيفة، فيأخذ منها الشيطان ما أخذها، كيدير فيها اللي بحال، كيدير فيها اللي بحال. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لا لا تغضب، لأن عند الغضب يحضر الشيطان وتذهب الملائكة. عند النميمة أنت كتظن بأن الملائكة تحضر لك وأنت تغتاب الناس وتنموه. عند اللغو الكثير لا تحضره الملائكة، وإذا مروا باللغو مروا كراما. عجيب هذا أمر الروح، لا ترتاح إلا إذا حضرت الملائكة، والملائكة لا تحضر إلا إذا كان العمل طيبا. إذا كان العمل طيبا. لو تخوازيام كومبوزونت سي، إي جو فوي فو ليبيري إن شاء الله باسكو جي بتيتر فيها أنتي بو ترو لون، سي نوتر إسبري، نوتر آم. لإسبري إي أن إليمون دو نوتر entité humaine qui n'est pas terrestre. Notre esprit relève du monde des anges. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa nafakhtu fihi min ruhi » et j'ai insufflé en lui de mon esprit. Entre guillemets, c'est un élément de l'aqidah qui relève de l'ghayb. Ne posez pas la question du comment, du pourquoi, de là vous n'aurez pas de réponse. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a décrit al-muttaqin, il a dit yu'minuna bi al-ghayb. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa nafakhtu fihi min ruhi, il croit au monde invisible, nafakhtu fihi min ruhi, j'ai insufflé en lui de mon esprit. Ça ne veut pas dire que c'est une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, des gens qui disent ouais, mais l'homme est sacré parce qu'il contient en lui une partie de Dieu. Tu dis laisse ça pour les autres. Laisse ça pour les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, là, comment dirais-je, il n'y a pas une partie de Dieu qui est en nous. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit de mon esprit, c'est-à-dire un esprit qu'il se l'est attribué. Comme lorsqu'il dit baytiya, ou tahira baytiya les ta'ifin. C'est quand il dit ma maison. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme disait Hamza, j'ai sillonné Hamza radiallahu anhu, il disait j'ai parcouru les tant et tant de déserts et j'ai vu les cieux, j'ai vu tout ça et j'ai compris que le créateur il ne peut pas être abrité dans quatre murs. Hamza juste dans sa tête avant même de croire, il a dit j'ai compris qu'une maison à quatre murs il ne peut pas contenir le créateur de l'univers, mais elle est la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas parti. Donc voilà, on a éclairci, alhamdoulilah, cette question. Donc cet esprit qui est en nous, il ne relève pas de notre monde. Il est du monde de l'au-delà. Il est du monde des anges. Donc il n'est tranquille, il n'est apaisé, et il ne se sent bien qu'en compagnie des anges. Parce qu'il est
notre esprit, il est prisonnier de notre corps. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'esprit quitte le corps, il est suivi par les yeux. Vous voyez quand le mort, quand il fait quand il meurt, il y a les yeux vont vers le haut, parce que ses yeux suivent le dernier regard jeté à l'âme qui vient de partir vers le haut, vers son créateur. Cet esprit-là, il est étranger. Vous savez, c'est comme quand on est arrivé, dans mon cas, il y a des gens qui sont nés ici, donc il ne faut pas qu'on fasse croire que tous les musulmans sont venus de là-bas. Quand je suis arrivé en 82, les premières semaines, si je rencontrais un arabe, j'étais heureux. En plus, il parle casablancais comme moi, alors là, je me prends une serre d'anglais. Parce que je ne m'étais pas encore habitué. Rolba, comme on dit. Ou le Dublad, le Rihad. Et on vient un frère que sa femme faisait des semaines magnifiques. Donc, pourvu qu'il m'invite. Parce que ça me rappelle mon chez moi. Ça me rappelle les choses dans lesquelles j'ai grandi. Ruh, elle est du monde des anges. Donc, elle naît bien. Elle a la nostalgie de ce monde. Alors, quand les anges sont là, elle est bien. Quand les anges ne sont pas là, elle est pas bien. Et c'est pour ça que vous prenez un enfant qui est perturbé, vous mettez votre main sur sa poitrine, vous lisez Ayat al-Kursi avec une voix très très douce et il se calme. L'enfant, si ce n'est pas une douleur organique, une douleur physique, eh bien l'enfant il va se calmer. Quand j'ai pris mes deux jumeaux à leur naissance et je leur psalmodiais le Coran sur eux alors qu'ils criaient comme pas possible, il y a une infirmière qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous leur avez fait, vous ne comprendrez pas. Vous n'allez pas comprendre, je leur parle un langage qui est tout à fait... Et le Coran, lui aussi, il n'est pas de ce monde. Le Coran, il n'est pas de ce monde. La parole d'Allah, il n'est pas de ce monde. La révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas de ce monde. La prière que l'on prie, elle est assistée par les anges. Le Coran que nous lisons est assisté par les anges. Le dhikr que l'on fait ensemble, il est assisté par les anges. Quand vous aidez quelqu'un, vous avez l'ange de droite qui se met à écrire. L'âme, elle est apaisée. Je crois que j'en ai parlé il y a un an ou deux. J'ai mis un casque avec la voix de quelqu'un qui psalmodie le Coran sur les oreilles d'une dame qui n'était pas croyante. Elle n'a pas voulu me rendre le casque. Il dit c'est magnifique. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais c'est magnifique. Parce que c'est l'âme qui est en elle a entendu quelque chose qui lui rappelle l'origine. Donc elle est bien. Elle ne sait pas, ce n'est pas les mots, c'est l'ambiance. Alors si tu veux exploiter ton mois de Ramadan, il faut donner à ton âme, à ton esprit, des éléments de son monde. Et il faut lui éviter les moments où les anges quittent l'assemblée. Vous connaissez tous, ça nous fait rire, l'histoire de Abu Bakr. Il était là et il y avait quelqu'un qui insultait Abu Bakr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste à côté. Et le prophète, il dit rien. Et Abu Bakr, il écoute, et l'autre, il y va. À un certain moment, votre crème, comme on dit, vraiment, il n'a pas supporté, il a répondu. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Alors qu'avant, il souriait. Et là, Abu Bakr ne comprend pas. En plus, c'est son intime, c'est son ami. C'est son grand ami. Il riait quand il se faisait insulter, et quand il a répondu, il est parti, il ne comprend pas, il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, tant que tu ne répondais pas, c'est les anges qui répondaient. Quand tu as répondu, c'est Satan qui a appliqué. Il dit, et moi, je ne m'assois pas à un endroit où je ne sais pas les gens. Donc, et vous comprenez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous vous faites agresser en jeûnant, ne répondez pas. Dites je jeûne. Parce que si vous répondez, les anges s'en vont et votre âme se dessèche. C'est aussi simple que ça. Al-Namima, la médisance.
comporter des raconter n'importe quoi, être en posture, par exemple, je sais pas moi, ah oui, il fait beau, alhamdoulillah, on va aller sur le bord de Seine là, et puis et tu vas voir tous ces lézards là qui sont en train de se dorer la pilule, et tu vas me dire que les anges sont là. Cherche autre chose, tu vas trouver. Tu vas simplement trouver. Donc, revenons et résumons, Inch'Allah. Quel est l'objectif de Ramadan ? Réaliser la taqwa. La taqwa, c'est les trois états du cœur. Un cœur vivant, un cœur en bonne santé et un cœur heureux. Ramadan va réaliser la dernière partie, le bonheur du cœur. Il va vous donner le goût de ce bonheur. Mais pour cela, il faut que le travail englobe tout ton être, ton corps. Bien nourri ou pas trop. Il faut laisser la faim venir à un certain moment pour pouvoir la sentir. Deuxièmement, faut bien boire aussi. Faut pas d'excès. Il faut que pour notre intellect, que ce soit une période de repos aussi. Donc pas de gros soucis, pas de gros projets dans le mois de Ramadan. Et la lecture essentielle doit être la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que ce soit le repos de notre esprit. Le repos de notre esprit, c'est-à-dire donner à notre esprit l'occasion de côtoyer les siens, côtoyer les anges et les ambiances spirituelles. Et je termine par ce qui me tient absolument à cœur. Et là, parce qu'il travaille les trois. La vie de famille. Entretenir une vie de famille très intense pendant le mois de Ramadan. Parce que lorsqu'on mange avec des gens qu'on aime, on mange bien. Et même si ce n'est pas beaucoup, le corps en profite. Éviter les disputes pendant la table de... Une fois qu'elle est posée, elle dit, mais t'as oublié ça. Non. Non, sœur, si vous m'écoutez, c'est pas le moment de faire l'éducation. Ça y est, ce qui est posé. Les frères, pour que ce soit pas une corvée, mettez la main à la pâte, pour que une fois qu'on s'est posé pour rompre le jeûne, que ce soit vraiment un moment où le corps respire, où intellectuellement, que ce soit des échanges. Spirituellement, on s'arrête pour faire un dua et que ça devienne, on dise voilà, les pères et les mères, dites à vos enfants, regardez comment on est bien quand on est ensemble. Pourquoi après Ramadan, chacun se servira dans le frigo et fera fonctionner le micro-ondes pour réchauffer son repas et papa et maman ils mangent ensemble et puis après il y a le grand qui va rentrer une heure après et puis après il y avait les filles qui vont. Le fait d'être ensemble stimule le corps, stimule l'intellect, stimule l'esprit. Et on est bien. Et vraiment, s'arrêter pour savoir à quel point on est bien avec les siens. Si Ramadan nous arrive à recréer cette dynamique, là on pourra comprendre comment, pourquoi il pourra pour nous être de l'énergie emmagasinée pour tout le reste de l'année. Là, vous comprendrez pourquoi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam passaient 6 mois à attendre Ramadan et 6 mois à prier Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire accepter ce qui a été fait pendant le mois de Ramadan. Et bien sûr, il y a des choses qui sont évidentes. Fréquenter la mosquée pour tarawih et tout ça, prier derrière l'imam, mais ça, c'est des choses que vous faites. Déjà, votre présence, on sait, grand nombre à la prière de l'Asr. J'imagine ce que vous faites pour la prière de Tarawih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.